Voilà. Le pido disculpa a mí de no hablar español, quiero hacer una presentación en francés o en inglés, pero hemos preferido con los organizadores de Mundial preparar una traducción en español. Lo que me permite hacer una traducción casi simultánea. Bonjour, je m'appelle Stéphane Pouilloux, je suis le directeur technique de l'infrastructure Humanum. Et je vais vous présenter la plateforme Isidore, qui est un service d'interconnexion documentaire et d'enrichissement et d'accès aux données francophones de la recherche en SHS. Hola, me llamo Stéphane, casi. Y soy el director técnico de la infraestructura Humanum. Le voy a presentar Isidore, el servicio de interconexión documental de enriquecimiento y de acceso unificado dedicado a los datos francófonos de la investigación en ciencias sociales y humanidades y a su posible aplicación a otros corpus. Alors quelques mots pour présenter mon institution. Humanum est ce qu'on appelle une très grande infrastructure de recherche du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche français. Et cette structure est opérée par le CNRS, l'Université d'Aix-Marseille et le campus Condorcet à Paris. Alors nous sommes une structure publique et notre mission est d'assister les chercheurs dans leur appropriation des techniques numériques. De la technique numérique pour les données de la recherche afin de mieux anticiper les changements et les pratiques que le numérique induit. Humanum es una infraestructura de búsqueda e investigación. Su misión es asistir a los investigadores en su apropiación y evolución de las prácticas de las tecnologías numéricas en ciencias sociales y humanidades. ¿Es bien la deuxième? Sí. Algunas palabras para presentar la institución. Humanum es una gran infraestructura de investigación que depende del Ministerio de Enseñanza Superior y de la Investigación y con la tutela del CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica, de la Universidad de Aix-Marseille y del Campus Condorcet. Somos una estructura pública y nuestra misión es asistir a los investigadores en su apropiación de las tecnologías numéricas, de los datos, de las investigaciones, con el fin de anticipar los cambios de prácticas que induce el numérico. Alors vous le savez, nous sommes dans un monde numérique et la recherche en sciences humaines aussi. Et les chercheurs, ils utilisent à la fois des ressources physiques dans les bibliothèques, mais de plus en plus, ils n'utilisent que des données numériques, y compris des livres numériques. Ainsi, l'ensemble des objets utilisés par les chercheurs sont devenus numériques, les données, les photos, les cartes, les enregistrements audiovisuels, les statistiques aussi, mais aussi les productions des chercheurs, c'est-à-dire ce qu'ils fabriquent, les livres, les articles, les revues, les blogs, les actualités sont devenus numériques. Donc nous vivons aujourd'hui dans un monde numérique qui est de plus en plus interconnecté, et donc cela fait grandir le champ du possible des chercheurs. Ils ont accès à des milliards de documents, à des milliards de données, d'informations, et la plupart sont dans le web aujourd'hui. Et les moteurs de recherche classiques couvrent assez mal finalement cette info-obésité, c'est-à-dire le fait que nous avons de plus en plus des problèmes pour accéder à l'information et pour la traiter. Ya lo saben, estamos en un mundo numérico, la investigación en ciencias sociales y humanidades también. Los investigadores utilizan a la vez recursos físicos en las bibliotecas, pero cada vez más. Utilizan solo datos numéricos, incluyendo libros. Así, el conjunto de objetos utilizados por los investigadores son numéricos. Datos como fotos, mapas, grabaciones audiovisuales, estadísticas, pero también la producción de los investigadores, libros, artículos, revistas, blog, actualidad.
Vivimos en un mundo numérico cada más interconectado, lo que amplía las posibilidades de los investigadores. Tienen acceso a millones de documentos, datos, informaciones, la mayoría accesible en la web. Y los motores de búsqueda clásicos corren detrás de esta obesidad de la información. Alors, l'ensemble du cycle de travail d'un chercheur, des chercheurs, fait appel maintenant aux données et aux outils numériques. Dans ce cycle-là, qui est schématisé, il existe des outils en ligne, des applications web, hein, comme on les appelle aussi, pour chacune des actions du chercheur. Ces outils sont aujourd'hui en plus internationaux. Pas la peine de développer tel ou tel outil particulier, il en existe déjà beaucoup et il s'agit souvent de les adapter aux besoins que les chercheurs vont avoir. Du coup, il y a tellement d'outils que nous sommes confrontés aujourd'hui à de multiples plateformes. El conjunto del ciclo de trabajo de investigador necesita ahora los datos y herramientas numéricos. En este ciclo esquematizado existen herramientas en línea, aplicaciones web para cada acto del investigador. Estas herramientas son internacionales, es inútil desarrollar una herramienta en particular, ya existen muchas, solo hace falta adaptarlas. Pero claro, hay tantas herramientas que encontramos. Donc c'est ce que je disais, nous avons aujourd'hui beaucoup de plateformes, il y a trop de plateformes, d'outils, et ils sont donc assez redondants et ils nous empêchent de travailler correctement sur les données. On se préoccupe plus d'avoir un moteur de recherche à qui on demande souvent l'impossible, alors qu'il serait plus efficace si nos données étaient bien mieux structurées. Donc les bibliothécaires doivent participer, sortir des bibliothèques, aller aider les chercheurs à structurer leurs données et co-construire des outils qui vont marier les savoir-faire. Hay tantas herramientas que encontramos demasiado en plataformas, herramientas que sobran y que nos impiden trabajar correctamente en nuestros datos. Nos preocupamos más por un motor de búsqueda al que pedimos lo imposible, cuando sería mucho más eficaz si tuviéramos nuestros datos mejor estructurados. Los bibliotecarios deben de participar, salir de sus bibliotecas y ayudar a los investigadores a estructurar sus datos y construir juntos herramientas que reúnan sus habilidades. Alors en France, nous avons déjà trois grandes plateformes pour les revues électroniques, obligeant les chercheurs à faire plusieurs recherches dans ces trois plateformes, sans compter les autres plateformes francophones et internationales qui sont dans les pays. En France, ya tenemos tres grandes plataformas para las revistas, lo que obliga a los investigadores a realizar varias búsquedas en estas tres plataformas, sin contar otras plateformes francophones et internationales. Les moteurs de recherche dans ces plateformes ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas les mêmes facettes, il n'y a pas les mêmes pertinences, il n'y a pas les mêmes systèmes. Los motores de búsqueda no son lo mismo, los interfaces tampoco, no existen las mismas pertinencias. Les structures des données de ces trois plateformes sont différentes. Les chercheurs ne sont pas passionnés en plus par les techniques documentaires d'OAIPMH par exemple, ou les vocabulaires documentaires comme MODS ou METS. Ils utilisent des fonctions de recherche. C'est à nous de concevoir des moteurs de recherche simples et performants. No existen las mismas pertinencias o las mismas estructuras en los datos. Los investigadores no se interesan mucho a las técnicas como el OAIPMH y los vocabularios documentales de tipo MOS, otro tipo METS, utilizan funciones de búsqueda bastante clásicas. Nos toca a nosotros concebir motores más sencillos y competitivos. S'ajoutent à tout cela, par exemple, les portails des archives ouvertes,
permettant le dépôt individuel par les chercheurs de leurs articles et de leurs ouvrages. A eso, por ejemplo, se suman otros tipos de almacenes como los archivos abiertos que permiten depósitos individuales por los investigadores de sus artículos y obras. Un grand nombre de plateformes et de portails dans telle ou telle discipline des sciences humaines et sociales qui proposent des données existent aussi et sont présents sur le web. Un gran número de plataformas y portales existen también en cada disciplina y proponen datos, metadatos, etc. Bien sûr, il y a aussi les portails des bibliothèques nationales qui proposent aussi des outils de recherche qui sont souvent complexes. Por supuesto, también hay los portales de las bibliotecas nacionales que ofrecen también herramientas de búsqueda a menudo complejas. Bref, c'est la jungle. Comment travailler dans ces conditions sans passer des heures à faire les mêmes recherches ici ou là? En resumen, es la ley de la selva. ¿Cómo trabajar en estas condiciones sin pasar horas haciendo la misma búsqueda aquí y allá? Ok, on peut laisser faire Google. Ils sont puissants, ils sont rapides, ils sont riches. Mais allons-nous les laisser faire sans rien tenter? Google Scholar, c'est très bien, mais où est la qualité dans Google Scholar? Comment ils sélectionnent, par exemple, les ressources qui sont à l'intérieur? Ok, Google lo hace, lo puede hacer, son potentes, son rápidos, pero no vamos a dejarles dominar el mundo sin intentar algo. Google Scholar es bueno, pero ¿dónde está la calidad? ¿Cómo seleccionan a sus recursos? Il s'agit pas de faire mieux que Google. On n'y arrivera pas, mais pour nous, il s'agit de faire différemment. C'est tout. Et c'est ce que nous avons fait avec Isidore. Nuestro objetivo no es hacer mejor que Google. Queremos hacerlo de manera diferente. Eso es todo. Y eso es lo que hicimos en nuestro centro Humanum, especializado en humanidades digitales con... Avec Isidore, c'est le projet que nous réalisons depuis quelques années. C'est un service numérique qui permet aux chercheurs d'avoir accès aux données, aux informations, aux métadonnées, qui sont reliées entre elles par des liens sémantiques que nous leur proposons. Isidore fait plusieurs choses. C'est une chaîne de traitement de l'information qui permet à des bibliothèques, par exemple, de signaler leurs données. C'est un moteur de recherche pour l'utilisateur final. C'est une boîte à outils pour les développeurs. C'est aussi une base de données RDF qui est dans le web sémantique et qui relie les données de la recherche en sciences humaines et sociales à des référentiels terminologiques ou à des contenus tels que ceux de Wikipédia. Je continue. On continue la suivante, on l'a pas. Comment faire? Alors, le CNRS voulait faire en 2008 un portail, un métaportail avec plein de services, mais qui était trop impérialiste, trop à la Google. Et puis, nous avions de la concurrence. C'était de la recherche fédérée, rien de nouveau. Tout le monde sait faire cela. Et pour un peu qu'il y ait des informaticiens, il n'y avait pas d'enjeu nouveau dans faire un projet de métaportail. Comment faire? El CNRS quería hacer en 2008 un portal, un metaportal con varios servicios, pero ya era demasiado imperialista como lo hace Google. Y luego había competencia con otros proyectos. Pero hacer un metaportal no era nuevo, era búsqueda federada, nada nuevo. Todo el mundo puede hacer eso, basta con tener a su disposición unos ingenieros en informática, no había nuevos desafíos. Nous aurions pu faire une sorte de réseau social, mais alors, dans ces cas-là, comment lutter contre Facebook ou Academia? Hubiéramos podido construir una especie de red social, pero ¿cómo luchar contra Facebook o academia.edu? On aurait pu faire donc un simple moteur de recherche fédéré, mais en fait, c'était pas très intéressant pour nous.
hacer un motor sencillo para una búsqueda federada, pero no era muy interesante. Ainsi, nous avons décidé de faire différent, de mélanger plusieurs choses afin de créer un service qui permet aux chercheurs d'avoir une nouvelle approche de la recherche d'informations. Surtout qui leur fasse gagner du temps dans leur recherche, qui leur donne des possibilités pour regrouper les données distribuées sur plusieurs plateformes ou bases de données, et qui leur propose des collections de données et des rebonds sémantiques enrichissant les données avec des référentiels scientifiques issus des bibliothèques de la recherche. En fait, nous avons remis autour de la table les bibliothécaires, les chercheurs, les informaticiens, et nous leur avons demandé comment peut-on travailler ensemble pour offrir un service différent qui aide vraiment les chercheurs à mieux travailler. Por lo tanto, decidimos hacer diferente y mezclar varias cosas para desarrollar un servicio que permite a los investigadores tener un nuevo enfoque para la recuperación de información. Eso para permitirlos ahorrar tiempo en la búsqueda, para darles oportunidades para reagrupar a los datos distribuidos en varias plataformas o bases de datos, para ofrecerles un enriquecimiento de sus colecciones de datos y un sistema de rebotes semánticos utilizando los referenciales científicos adecuados como son los vocabularios y tesoro producidos por bibliotecarios. De hecho, hemos reunido alrededor de una mesa a bibliotecarios, investigadores, ingenieros en computación y le preguntamos, ¿cómo podemos trabajar juntos para proporcionar un servicio diferente que realmente ayuda a los investigadores a mejorar sus prácticas de búsqueda? Comment faire différent? En mettant au cœur du projet les meilleurs savoir-faire des métiers de la documentation et des bibliothèques, de l'informatique et des digital humanities. Faire différent, c'est aussi croire que l'information structurée par les humains sera toujours plus riche qu'un algorithme de pertinence ou de page ranking. C'est cela, Isidore. C'est un service qui décloisonne les données, les enrichit, avec le travail des documentalistes, les met en place dans le web sémantique pour en faire plusieurs usages. C'est de la recherche fédérée et augmentée. Vous travaillez mieux avec vos recherches car Isidore contient le meilleur des savoir-faire des bibliothécaires, le meilleur des savoir-faire des informaticiens et le meilleur des savoir-faire des documentalistes. Par exemple, leur référentiel, leur terminologie, leur thésaurus. ¿Cómo hacer diferente? Mediante la entrega en el cuerpo del proyecto de la mejor experiencia de los profesionales de la documentación y de las bibliotecas, de la informática y de las humanidades digitales. Hacer diferente es también pensar que la información estructurada por los hombres sea por siempre de mejor calidad de lo que puede hacer un algoritmo de relevancia o de page ranking. Esto es Isidore. Un servicio que decompartmentalice los datos, que los enriquece con el trabajo de los documentalistas y bibliotecarios y los coloca en la web semántica para facilitar su uso de varias maneras. Es una búsqueda federada y aumentada. Uno mejora sus búsquedas, pues Isidore contiene los mejores conocimientos y pericias de los bibliotecarios. Su precisión en la estructuración de los metadatos, sus datos bien estructurados, lo mejor de los ingenieros en computación, un sistema potente, lo mejor de los documentalistas, sus parámetros de referencia, sus terminologías, sus tesoros, etc. Par exemple, pour Isidore, il y a bien un site web, rechercheisidore.fr. C'est pour les humains, vous et moi, mais Isidore parle aussi aux machines et aux ordinateurs afin d'offrir des accès nouveaux à cette information enrichie. Para utilizar Isidore hay una página web, rechercheisidore.fr. Es para el ser humano, ustedes y yo, pero Isidore también sabe hablar a las máquinas, a los ordenadores, para proporcionar nuevos accesos a esta información enriquecida.
Alors voilà le schéma général d'Isidore. Il est très simple. Nous moissonnons des métadonnées et des données à l'aide de protocoles standards, OIPMH, RSS, Atom, Sitemap. Nous traitons l'information et nous la convertissons en RDF. Nous avons un format pivot RDF qui est connu de tous. Nous utilisons des référentiels, des thésaurus scientifiques, c'est-à-dire élaborés dans les laboratoires et dans les bibliothèques pour enrichir les métadonnées et ainsi les relier entre elles. Et nous offrons, comme je l'ai dit, plusieurs points d'accès, un site web, une API et un triple store RDF. Aquí está el esquema de funcionamiento de Isidore. Tiene varias entradas, como lo de los datos, luego también los motores, que sean OIPMH, RDF o RSS. Alors voici une capture d'écran du site web recherche-isidore.fr. Aquí vemos una captura de pantalla de la página web recherche-isidore.fr. Bien sûr, avec Isidore, à tout moment, vous pouvez avoir des flux RSS, des résultats de vos recherches. Cela permet de développer un système de veille, par exemple. Por supuesto, con Isidore, en cualquier momento, usted puede conseguir las fuentes RSS de resultados de sus búsquedas. Eso le ayuda a desarrollar un sistema de vigilancia documental. Donc nous avons pour les machines ce qu'on appelle une API qui permet de développer des applications qui réutilisent les métadonnées enrichies d'Isidore ainsi que l'accès aux données bien sûr. Por lo tanto tenemos para los ordenadores una API que permite desarrollar aplicaciones que reutilizan los metadatos enriquecidos con Isidore y también facilita el acceso a los datos. Alors une API, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de commandes informatiques qui peuvent être envoyées à un serveur web pour obtenir des réponses au format XML. L'API d'Isidore permet d'utiliser des fonctionnalités du moteur de recherche qui est fourni par une société qui s'appelle Antidote dans vos propres développements ou dans vos propres portails. Là, vous pouvez voir la documentation technique de l'API qui prend la forme d'un démonstrateur. Una API que es un conjunto de órdenes que se pueden enviar a un servidor web para obtener respuesta al formato XML. La API Isidore permite utilizar las características del motor de búsqueda AFS de la empresa Antidote en sus propios desarrollos y portales. Aquí se puede ver la documentación técnica de la API en la forma de un demostrador. Avec l'API, par exemple, nous avons réalisé un plugin, enfin des plugins pour Windows et Mac. Et con l'API, por ejemplo, hicimos un plugin para Windows o Mac. Nous avons aussi un Triple Store, ce qui est une base de données RDF, qui est à votre disposition pour créer des applications riches en croisant les données, par exemple les données de DBpedia. Tenemos Triple Store, base de datos RDF, está disponible para crear aplicaciones de nivel profesional mediante la combinación de datos con DBpedia. Donc Isidore aujourd'hui c'est un peu plus de 3 millions de ressources enrichies selon RDF et qui sont disponibles dans le LinkedIn Open Data. Isidore es ahora más de 3 millones de recursos enriquecidos por RDF y por lo tanto disponible en el sistema Link Open Data, datos abiertos vinculados. Donc Isidore s'appuie sur des vocabulaires documentaires standards, ouverts et normalisés pour collecter les métadonnées. Il moissonne aussi les documents en texte intégral quand ils sont libres de droit. Isidore se basa en vocabularios documentales standards, abiertos y estandarizados para recolectar metadatos. También recorre los documentos de texto completo cuando están con acceso abierto.
nous enrichissons, c'est-à-dire que nous catégorisons, nous classons de façon automatique, avec des systèmes d'entraînement sémantique, les ressources moissonnées. Les référentiels qui sont utilisés pour enrichir sont soit généralistes, Rameau, GeoNames, Lexvo pour les langues, soit spécialisés en archéologie, Pactols par exemple. Enriquecemos, es decir, categorizamos, clasificamos de forma automática con los sistemas de entrenamiento semánticos a todos los recursos cosechados. Los vocabularios científicos de tipo tesoro que se utilizan para enriquecer son generalistas, como Ramo, GeoNames, Lexvo para las lenguas, o especializadas en arqueología, por ejemplo, Pactols, etc. Para entonces enriquecer los vocabularios científicos de tipo tesoro. Pour réaliser ces enrichissements, Isidore exploite les métadonnées des ressources ainsi que le texte intégral en analysant ces données afin de mieux les relier au référentiel. Les éléments présents dans les métadonnées ou dans le texte intégral sont comparés aux entrées des référentiels par le biais d'un algorithme fondé sur une analyse morphologique des termes. Si une équivalence s'effectue entre le terme issu de la ressource et une entrée de l'un des référentiels, alors la ressource sera reliée à la dite entrée du référentiel. Para lograr estas mejoras, Isidore utiliza los metadatos de los propios recursos y el texto completo de los documentos, analizando estos datos para conectarse a los vocabularios científicos de tipo tesoro. Los elementos de los metadatos o el texto completo se comparan con los términos de entrada a los vocabularios a través de un algoritmo basado en el análisis morfológico de términos. Si se produce una coincidencia entre un término de los recursos y una entrada a uno de los vocabularios, en este caso el recurso estará conectado a dicha entrada del vocabulario. Mais revenons au site recherche-isidore.fr et découvrons ensemble quelques fonctionnalités. Volvemos a la web de búsqueda de isidore.fr para ver algunas funcionalidades. Les résultats d'une recherche peuvent être filtrés via des facettes thématiques, typologiques ou scientifiques. Et los resultados se pueden filtrar a través de facetas temáticas, tipológicas o científicas. Voici une notice d'Isidore. Elle est composée des métadonnées d'origine, à gauche, fournies par le producteur de données, et à droite, les enrichissements que nous fabriquons et sur lesquels il est possible de rebondir pour prolonger votre recherche d'informations. Este es un registro bibliográfico de Isidore que se compone de metadatos originales, suministrados por los productores de datos y en la parte derecha de la pantalla se observa a los enriquecimientos que desarrollamos y con los cuales es posible hacer un rebote para extender su búsqueda de información. Alors zoomons sur le bloc rebondir par exemple. Il s'agit là d'utiliser les enrichissements que nous proposons pour créer des filtres multiples qui vous redonnent la main pour ouvrir ou fermer des requêtes. Podemos observar con detenimiento la función de rebote. Por ejemplo, se trata aquí de utilizar los enriquecimientos que proponemos para crear varios filtros que permiten abrir y cerrar las solicitudes. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Isidore indexe aussi le texte intégral s'il est disponible en open access, en libre accès. Cela permet de mieux catégoriser, de mieux classifier le document. Cela alimente aussi le moteur de recherche, car Isidore, vous l'avez compris, est aussi un moteur de recherche plein texte. Isidore indica el texto completo si está disponible en acceso abierto. Eso facilita la categorización y clasificación del documento. Este procesamiento alimenta también el motor de búsqueda, pues Isidore es también un motor de búsqueda de tipo texto completo. Isidore utilise aussi des outils pour faire des traitements particuliers, l'extraction d'entités nommées par exemple, qui permet de reconnaître les noms qui sont présents dans les textes.
Isidore también utiliza herramientas para hacer un procesamiento especial, la extracción de entidades llamado reconocimiento de nombres de entidades. Isidore est aussi un outil qui inscrit les données, les métadonnées dans le web sémantique, que l'on appelle aussi le LinkedIn Open Data. Il s'agit d'offrir un outil qui extrait les informations des métadonnées afin de les relier entre elles dans le web sémantique. Isidore también es también una herramienta que escribe a los datos, a los metadatos en la web semántica, conocido como Linked Open Data, o datos abiertos enlazados. La idea es proporcionar una herramienta que extrae las informaciones de los metadatos para conectarlos entre ellas en la web semántica. Dans Isidore, les référentiels, les thésaurus, eux-mêmes sont en RDF et ils viennent nourrir les métadonnées en RDF. En el sistema Isidore, los vocabularios científicos de tipo tesoro construidos de acuerdo en la norma RDF alimentan a los metadatos. Ainsi, Isidore participe à ce qu'on appelle le LOAD, le LinkedIn Open Data mondial. Así, Isidore participa al LOAD, LinkedIn Open Data mondial, que se puede traducir por el Sistema Mundial de Datos Abiertos Vinculados. Pour finir, quelques cas d'utilisation d'Isidore hors d'Isidore, ici à l'Université Montaigne. Integración de Isidore en portales. Aquí vemos la integración en el portal de la Universidad de Bordeaux-Montaigne. Ici, un outil réalisé pour implémenter Isidore dans le champ de recherche Open Search dans les navigateurs. Vemos una herramienta para definir los campos de búsqueda de tipo Open Search en su software de navegación en la web. Ou bien pour faire de la veille documentaire ici dans un blog. Ou bien para hacer un sistema de vigilancia documental aquí en un blog. Là, quelques applications de visualisation des métadonnées enrichies. Chronosidore, un site web qui présente temporellement l'évolution disciplinaire d'une revue ou d'un auteur. La pantalla, estos son algunos ejemplos de aplicaciones de visualización de metadatos enriquecidos. Se llama Chronosidore. Es un sitio web que representa temporalmente la evolución disciplinaria de revistas y autores. Ici, une interface d'alignement sémantique avec DBpedia, qui est le contenu de Wikipédia. Aquí vemos una interfaz de alineación semántica con DBpedia, como Wikipedia. Alors, depuis 2013, nous développons un laboratoire Isidore qui propose des services dédiés à la demande pour certaines communautés. Desde 2013, desarrollamos un laboratorio Isidore que ofrece servicios dedicados a pedido de ciertas comunidades. Donc, fin 2014, Isidore pourra indexer dans trois langues, en anglais, en espagnol et en français. Al final de 2014, Isidore podrá indexar y clasificar documentos en tres idiomas, francés, inglés y español. Isidore On Demand est un service de paramétrage de chaîne de traitement dédié à un projet de recherche, par exemple. Cela permet de faire des enrichissements, de la classification sur les données qui vous sont propres, vos données. Isidore est à la demande. Es un sistema de apoyo a la configuración de la cadena de procesamiento dedicado a un proyecto de investigación. Eso permite hacer enriquecimiento de la clasificación de sus propios datos. Isidore as a service, Isidore como un servicio, est une assistance dans l'utilisation de l'API d'Isidore par les équipes du Manum afin de profiter de la richesse de notre moteur dans vos portails. Ce dispositif peut vous intéresser. Dès qu'Isidore sera multilingue, il pourra offrir ce service en espagnol, par exemple. Il est possible de brancher votre propre moteur de recherche, Solr, Elasticsearch, sur ce service Isidore as a Service.
Isidore como servicio es una asistencia en el uso de la API desarrollada por Isidore de Humanum para aprovechar la riqueza de nuestro motor en sus portales. Este dispositivo le puede interesar cuando Isidore tendrá su sistema multilingüe. Estamos desarrollando este servicio en español. Es posible conectar su propio motor de búsqueda, que sea Solr o Elasticsearch, etc., con el servicio de Isidore como servicio. Pour finir, le Isidore Desk Kit, c'est un projet qui associe Isidore et des bibliothèques partenaires. Il s'agit d'installer une borne dédiée, développée selon les principes de Open Hardware, permettant à une bibliothèque d'utiliser des ressources, des collections, des annotations venant d'Isidore et qui sont spécifiques à la bibliothèque. Donc cette borne, elle est régulièrement mise à jour par une équipe dédiée qui, en partenariat avec la bibliothèque, sélectionne les ressources qui lui vont bien. El Isidore Desk Kit, no sé si se puede traducir, es un proyecto que involucra a Isidore y a las bibliotecas asociadas. Es una instalación de un terminal específico desarrollado de acuerdo con los principios de hardware abierto, lo que permite a una biblioteca utilizar los recursos, las colecciones, las anotaciones y enriquecimientos reservados a la o a las especialidades de la biblioteca. Este terminal se actualiza regularmente por un equipo dedicado que selecciona los recursos en colaboración estrecha con los bibliotecarios. Y muchas gracias. Merci beaucoup.